Coucou tout le monde, c'est My Little Romance et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour du calendrier et on se retrouve pour un GMMTV encore mais pas BL ni romance cette fois de ce que je sais. J'ai vu que c'était un truc un peu dark, maintenant je ne sais pas plus. Je sais qu'il y a Homme et Pearl dedans aussi, mais voilà. Et ça s'appelle Double Savage, donc commençons. Ok, ça commence bien. Je sors pour deux frères se battre comme ça. C'est pas le bordel. C'est un criminel de quoi? On comprend rien à l'histoire. Oui, il aime bien jouer les rôles où vraiment tu sais pas trop si c'est un connard ou pas. Mais vraiment, il a un rôle de psychopathe. Alors. Déjà, je suis assez contente parce que sur les réseaux sociaux. On voit souvent Homme et Perth ensemble, mais on dirait qu'ils sont devenus très amis très rapidement. Et du coup, je suis assez contente de les voir ensemble dans un drama parce que je trouve qu'ils ont un très bon échange en fait d'acting. Et donc, je trouve ça plutôt pas mal. Après, voir Foé dans un rôle comme ça, clairement, je suis très contente parce que je trouve que Foé, on le voit très souvent dans des rôles, et ça lui correspond très bien d'ailleurs, d'humour, où c'est un peu le concon du truc, ou des rôles où c'est un mec dark, méchant, ou qui mafieux, ou des trucs comme ça. Et j'aime beaucoup les rôles où il est comme ça, donc c'est super. Maintenant l'histoire, alors qu'on comprend... pas trop, enfin on comprend que Perth et Homme déjà sont frères, on comprend que Homme apparemment serait un meurtrier, on sait, voilà, que du coup avant ils s'adoraient et ensuite ils vont se battre pour une fille et pour l'histoire de le mec est coupable d'un meurtre ou d'un assassinat, enfin bref, mais voilà. Ouais, l'histoire, je suis pas... Alors ça a l'air d'être un bon truc que je regarderai sûrement parce que j'aime bien les histoires comme ça, un peu mafia, vengeance et trucs comme ça, j'aime bien ce genre d'histoire.
Donc là, avec toute la bagarre, le but un peu de, de se battre par vengeance, par truc, par machin. Je pense que ça peut être une bonne histoire. Maintenant, c'est un trailer où on comprend pas tout, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai super hâte de voir le vrai trailer une fois qu'ils auront tourné le drama. Peut-être qu'on comprendra un peu plus. En attendant, ouais, l'histoire est pas totalement... Enfin, on comprend pas tout, mais bon. Ça a l'air d'être quand même un bon drama pour 2023. Donc, j'ai super hâte de le voir. écoutez, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous dire. On se retrouve du coup demain pour le prochain épisode qui sera je ne sais pas encore, voilà. je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à très bientôt demain dans une prochaine vidéo. Gros bisous mes amours.